J'ai vécu ça un peu comme un tremblement de terre. J'ai vécu ça comme un monde qui finissait. Tous les employés qui étaient là, maintenant, sont démunis. What I saw, this was from my experience, the decisions were largely financially driven. The board was run by bankers. Pour nous, rendu à 2010, très suspect, les alarmes qui sonnaient, tous les indices ont suggéré que cette compagnie s'enligne pour l'insolvabilité. Did the company fail the retirees? It's just an awful question. Le couperet est tombé en janvier. Les derniers magasins Sears ont fermé leurs portes, laissant des milliers d'employés et de retraités en plein désarroi quant à l'avenir de leur fonds de retraite. T'as travaillé pour ça. On t'a des fois pas augmenté parce que t'as mis une part dans ton fonds de pension. Puis quand on te le retire, moi, je trouve que c'est une forme de bonne. Pendant des années, les retraités de Sears ont vu le déficit de leur fonds de pension se creuser, pendant que les actionnaires de la compagnie empochaient des milliards. La liquidité est à l'or. L'argent est à l'or. Personne n'a pris la décision de s'adresser au déficit. Ils ont tout fait pour mettre leur retraite à l'abri, mais tout le monde les a laissés tomber. Jamais je n'aurais cru qu'on en viendrait à ça. Qui aurait cru qu'après 65 ans d'activité, le géant s'écroulerait? Avec son fameux catalogue, Sears était pourtant le Amazon des années 70 et 80, une compagnie d'avant-garde qui livrait de tout, partout. Malgré sa voix un peu mécanique, l'ordinateur reste toujours poli. Quoi qu'on lui dise. Thank you for shopping at Sears. À l'époque, Sears Canada est une filiale de l'américaine Sears Roebuck. Voici l'édifice commercial le plus haut du monde. En plein cœur de Chicago, la tour Sears a longtemps symbolisé la puissance de l'entreprise. C'était à l'époque où on allait travailler la première journée, puis 40 ans plus tard, on était encore avec Sears. Larry Moore a travaillé chez Sears pendant plus de 30 ans, dont la moitié comme vice-président. Il a quitté en 2005 quand il a senti le vent tourner. Un fonds d'investissement américain vient de prendre le contrôle de Sears aux États-Unis et de sa filiale Sears Canada. À sa tête, Eddie Lampert, une star de Wall Street, deux fois milliardaire. We needed to change the culture, we needed to change our operating model. Dès son arrivée, Sears prend un important virage. La première manœuvre, appelons ça une manœuvre au Canada, a été la vente du carte de crédit. La carte de crédit était un lien crucial avec nos clients. Mark Cohen était le patron de Larry Moore. Il a été PDG de Sears Canada avant la prise de contrôle par le fonds spéculatif. Nos activités de crédit étaient une source de revenus importante et très profitable. La vente de la carte de crédit rapporte 2,2 milliards de dollars. Sears verse 1,5 milliard à ses actionnaires, du jamais vu. Et au lieu de réinvestir cet argent dans la compagnie, comme ferait la plupart des entreprises, il l'a donné aux actionnaires sous forme de dividendes. Et il est le principal actionnaire. Eddie Lampert insiste, il n'a pas pris part à cette décision. Elle relève du conseil d'administration de Sears Canada, sur lequel il n'a, dit-il, aucune autorité. Mais l'ex-PDG Mark Cohen est d'avis qu'il exerçait une certaine influence. Il enseigne aujourd'hui à l'Université Columbia. C'est un expert en commerce de détail et, depuis longtemps, un adversaire très critique de la gestion de Sears sous Eddie Lampert. Ça a été le début d'un démantèlement des actifs qui a nui à l'entreprise, qui a paralysé l'entreprise et qui a fini par tuer l'entreprise. D'un des plus grands commerces de détail au pays, l'entreprise sera fragilisée progressivement par des coupures sans précédent.
Les investissements pour entretenir les magasins et développer les activités de la compagnie chutent de manière draconienne. La condition des magasins dans les dernières années était... J'étais gêné de voir ces magasins-là. J'ai vu le déclin par les filles qui me disaient bien, que ça changeait, qu'il n'y avait plus la même marchandise. La marchandise était différente. La façon de la mise en marché changeait aussi. Les consommateurs réagissent mal au changement. Les ventes se mettent à dégringoler. C'était crève-cœur. David Zietzma est un spécialiste de la transformation d'entreprise. Il a été embauché comme vice-président pour relancer la marque Sears en 2012. Mais il n'a pas senti le soutien des membres du conseil d'administration pendant ces années difficiles. C'était difficile d'avoir leur attention. Ils ne levaient même pas les yeux de leur écran d'ordinateur. On ne sentait aucun intérêt pour nos projets. Fin 2013, plutôt que d'investir pour relancer la compagnie, Sears verse un autre important dividende d'un demi-milliard de dollars à ses actionnaires. Au grand étonnement de l'équipe de direction. 2013 a été une année charnière. Avec le recul, qu'ils aient choisi ce moment pour émettre de gros dividendes n'avait pas de sens. Pas quand une entreprise veut survivre. Les retraités voient les actionnaires s'enrichir alors que leur caisse de retraite subit les contre-coups de l'économie et s'appauvrit. On n'a pas vu un sou de ces dividendes-là mis dans le fonds de pension. J'ai conclu que la compagnie n'avait pas l'intention de rencontrer ses obligations envers les employés. Le fonds de retraite affiche désormais un déficit. Considérez toujours qu'un déficit de solidité, c'est une lumière rouge. Si votre employeur devait faire faillite, vous êtes dans le trou. Michel Lisée est économiste à la retraite. Ce que Sears aurait dû faire, c'est profiter que ça allait encore bien pour équilibrer un peu ce qu'elle versait aux actionnaires et ce qu'elle versait au régime de retraite, puis ils auraient eu l'argent. De 2005 à 2013, au total, près de 4 milliards de dollars d'actifs sont vendus et 3,5 milliards de dollars sont redistribués aux actionnaires. C'est 10 fois plus que les dividendes distribués dans la décennie précédente. Tout ce qu'il faisait, c'était récolter l'argent de l'entreprise. En 2014, David Zietzma quitte la compagnie déçu. Aujourd'hui, tout ça m'apparaît comme une hypocrisie. C'est horrible comment ça s'est terminé. Les retraités craignent désormais le pire, que la compagnie fasse faillite et que le déficit de la caisse de retraite entraîne une réduction de leurs prestations pour le reste de leurs jours. Ils sonnent l'alarme auprès de la Commission des services financiers de l'Ontario. Ils étaient des gens responsables au point de vue de surveillance puis intervention. C'était bel et bien clair pour nous. La compagnie était techniquement parlant insolvable. Ils auront dû prendre action. Les retraités demandent à la Commission de forcer Sears à rembourser le déficit du fonds de retraite et de confier sa gestion à un tiers. Pendant que cette bataille se joue, l'actionnaire principal, Eddie Lampert, recrute un collaborateur et ancien employé, Brandon Stranzel. Il sera le dernier président de Sears Canada. Est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement? C'est une question très lourde de sens. Et vous le savez. Brandon Stranzel va tenter l'impossible, sauver une compagnie moribonde. Il est le dernier espoir des retraités. Hamilton, en Ontario, une ville qui s'est bâtie sur l'acier. Comme son père et son grand-père avant lui, Scott Duval a passé le plus gros de sa vie dans ses usines. C'était le pain et le beurre des gens d'ici. Toutes les familles en dépendaient. Mais cette sécurité a été menacée plusieurs fois. Scott Duval et les 20 000 autres retraités de Stelco ont dû se battre pour sauver leur fonds de retraite déficitaire. Pour nous, c'est du vol. C'est notre argent.
Personne ne devrait avoir le droit de s'en servir pour combler le déficit. Des millions de Canadiens qui misent sur un fonds de retraite à prestations déterminées sont à risque. Et Scott Duval trouve que l'histoire se répète trop souvent. Dans le cas de Sears, le déficit est apparemment devenu insurmontable en 2015. C'est ce qu'affirme en tout cas son nouveau président. Brandon Stranzel dit avoir hérité d'une entreprise dont les revenus ont chuté de moitié et qui perd de l'argent. On n'aurait pas survécu. C'était devenu impossible de financer le fonds de retraite et investir dans la compagnie. Il aurait fallu le faire dans le passé. Mais dans le passé, au moment où Sears faisait encore des profits, au lieu de rembourser le déficit, elle a profité de mesures d'allègement offertes par le gouvernement ontarien. Ces mesures devaient aider les compagnies à traverser la crise économique. Elles ont permis à Sears de reporter des paiements à sa caisse de retraite. Nous avons toujours veillé à respecter les règles. Tout indique que Sears a versé ce que la loi exigeait. Le problème, c'est que la loi demandait pas assez. Le conseil d'administration doit trancher entre des intérêts divergents, ceux des actionnaires et ceux des retraités de la compagnie. Elle a certainement violé le contrat moral entre les employés, mais ce qu'elle a fait est parfaitement légal. C'est un peu comme certaines formes d'évitement fiscal. C'est parfaitement légal et parfaitement immoral. Diane Urquhart est une analyste financière indépendante. Elle aussi estime que Sears a failli à ses devoirs et va plus loin. Sears et son conseil d'administration sont les premiers responsables parce qu'ils gèrent le fonds de pension. Ils ont une responsabilité fiduciaire et une obligation de diligence en vertu de la loi canadienne. Mais il n'y a pas que Sears qui aurait pu en faire plus. Pendant 2 ans et demi, le comité des retraités a tenté sans relâche de convaincre les autorités de mettre son régime de retraite à l'abri. On a eu 15, 20, 25 interventions au gouvernement d'Ontario, au ministère des Finances. Le premier ministre d'Ontario a reçu des lettres. Au bout de la ligne, ils n'ont pas agi. Diane Urquhart s'explique mal l'inaction de la Commission des services financiers. La Commission a le même niveau de responsabilité fiduciaire. La Commission avait le pouvoir d'agir pour que le déficit du fonds de pension soit comblé par Sears. Dans un courriel, la Commission a fourni peu d'explications sur sa décision de ne pas intervenir. Elle s'est bornée à rappeler que Sears s'est conformé aux exigences minimales prévues par la loi. En juin 2017, acculé au pied du mur, Sears se place sous la protection de la loi dans l'espoir de se restructurer. Mais 4 mois plus tard, en octobre, elle doit se résigner à tout liquider. Du jour au lendemain, 16 000 retraités apprennent qu'à moins d'une solution miracle, leurs prestations seront amputées de presque 20 %. Mais il est minime. Les gens s'imaginent beaucoup, là, mais c'est quelques milliers de dollars. Alors, j'aurais envie de vous le dire, mais je ne veux pas mettre personne dans l'embarras. C'est très minime. Je ne peux pas faire mon épicerie d'une année avec ça. Le sort des retraités de Sears relance un vieux débat. De plus en plus de voix s'élèvent au Canada pour demander une meilleure protection pour les travailleurs retraités lorsque leur ancien employeur fait faillite. Le Canada est parmi les derniers pays industrialisés à considérer encore ses retraités comme de simples créanciers. Après les banques, les avocats, les comptables, les investisseurs, même après les gouvernements. Les banques et les investisseurs veulent être bien traités, mais nous aussi. Et le gouvernement doit agir, parce que les gens sont en train de tout perdre. Holy Jesus, Paul. Holy man, oh man. Good to see you. How you been? L'ex-travailleur de Stelco, Scott Duval, compte bien régler le problème. Aujourd'hui député fédéral pour le Parti néo-démocrate, il sillonne le pays pour promouvoir un projet de loi privée. Le Bloc québécois a déposé un projet semblable. Les deux demandent qu'on rembourse d'abord les retraités en cas de restructuration ou de faillite. Ça place les retraités en priorité. Aucun autre créancier ne serait remboursé tant que le fonds de retraite ne serait pas comblé.
Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de changer le statut des retraités dans la loi fédérale. Mais sans succès, déplore l'ex-PDG de Sears Canada. J'aurais pensé qu'après l'effondrement de Nortel, le gouvernement serait devenu plus sensible aux faillites des grandes compagnies. Cette bataille pour changer la loi, Diane Urquhart l'a menée en 2010 après la chute de Nortel. Le changement n'a jamais été adopté, en grande partie en raison de l'opposition de ce qu'elle appelle l'industrie de la faillite. Il y a eu une opposition virulente de la part de l'Association canadienne des banquiers, de l'Institut de l'insolvabilité et du Conseil des chefs d'entreprise. L'objection que vous allez avoir des institutions financières, des employeurs, de toute l'industrie de la faillite, écoutez, si vous faites ça, il n'y a plus personne qui va vouloir financer un employeur sur le bord de la faillite. Les banques menacent de ne plus prêter aux entreprises en difficulté si elles ne sont pas remboursées en premier en cas de faillite. Mais les deux experts pensent que pour s'assurer d'être payés, les banques vont plutôt exiger des compagnies que leur fonds de retraite n'ait pas de déficit. L'employeur, il y aurait pression sur lui pour qu'il le comble. Au lieu de distribuer des dividendes aux actionnaires, on aimerait mieux que tu mettes de l'argent dans ton régime de retraite. Et nous, ça va réduire notre risque, on va être plus prêts à te prêter ou à te financer. Monsieur le Premier ministre, je vous le demande, allez-vous examiner ce problème et vous engager à changer les lois sur la faillite et l'insolvabilité pour protéger les retraités, oui ou non? Mais pour l'instant, le projet de loi de Scott Duval n'a toujours pas été adopté. À ce jour, le Premier ministre refuse de s'avancer fermement en faveur de changements législatifs. Il fera face à la même opposition des puissants lobbies de l'insolvabilité. Il faut s'attendre à une levée massive de boucliers. Et ça va prendre beaucoup de colonnes au Parti libéral du Canada pour résister à cette pression-là. En attendant, plusieurs retraités de Stelco n'ont toujours pas de certitude que leur fonds de retraite sera entièrement préservé. Pour aider à combler le déficit, Stelco s'est engagé à vendre des centaines d'hectares de terrains industriels. Des terrains contaminés. J'aurais jamais pensé qu'il faudrait un jour compter sur des déchets pour financer notre fonds de retraite. On a travaillé fort pour protéger notre avenir. Ça ne devrait pas reposer uniquement sur l'espoir. Les retraités de Sears ont les mêmes craintes pour leur avenir. Un sentiment d'injustice, un sentiment d'avoir été trahi. Sears a-t-elle trahi ses travailleurs? Son dernier président reste prudent. J'ai une excellente maîtrise du monde des affaires. Je comprends fort bien leurs arguments, mieux que quiconque. Mais Brandon Stranzel refuse de critiquer les décisions prises avant son arrivée. Is there something you'd like to say to the retirees? J'ai fait tout mon possible pour sauver la compagnie. Et c'était exceptionnellement difficile. Je suis déçu de ne pas avoir atteint de meilleurs résultats. Voilà ce que je dirais aux retraités. Le principal actionnaire, Eddie Lampert, nous a écrit qu'il a toujours cru dans la survie de la compagnie, mais qu'il n'est pas responsable des décisions prises au Canada et qu'il a directement bénéficié d'une partie seulement des dividendes. Alors, est-ce que M. Lampert est un marchand? Est-ce qu'il est un homme de finance ou autre chose? La Cour supérieure de l'Ontario a autorisé la tenue d'une enquête sur le bien fondé d'une partie des milliards de dividendes donnés aux actionnaires alors que la compagnie était en difficulté. L'issue de cette enquête ouvrira la porte à de possibles poursuites civiles contre la compagnie. Les retraités de Sears n'ont pas dit leur dernier mot.